a dû passer par là. Trouvons un autre moyen de monter. Qu'est-ce que tu as fait? À la maison. Le sort que tu m'as vu jeter quand Fenrir est mort. Sans le savoir, j'ai enfermé son âme dans mon couteau. Les âmes sont puissantes, alors j'ai pensé que Fenrir pourrait... changer sa nature. Oui, j'espère que ça a marché. Quand je t'ai trouvé à Midgard, avant que Freya nous attaque, tu as dit que tu devais me protéger. Pourquoi ? J'ai vu une prophétie. Tu étais... dans mes bras. Oh. Je l'ai vu aussi, à Jotunheim. Quoi ? Tu savais ? C'est pour ça que tu m'entraînais si durement. Un jour, il te faudra survivre. Sans moi. Ça n'arrivera pas. Je ne le permettrai pas. Jamais. Tous les voyages ont une fin. Pas le nôtre. Pas comme ça. Désolé de t'avoir blessé. C'est terminé. Promis. Fen ? C'est toi ? Toi aussi, tu m'as manqué. Et j'étais pas sûre que ça marcherait. On a réussi. Assis. Comment est-ce possible? C'est la magie des géants. J'ai appris quelques tours. À Asgard. Ça n'a rien à voir avec ça. Encore des secrets? Non. Une promesse. Et quelqu'un compte sur moi pour la tenir. Comme celle que tu as tenue à ma mère. Tu vois ce que j'accomplis quand j'ai ta confiance? Rentre! Planifier la suite. Alors, quand les Nantes t'ont dit que Heimdall allait essayer de me tuer, c'est à ça que sert ta lance, n'est-ce pas? Exact. Heimdall est une ordure, mais... tu n'es plus ce genre de personne, hein? Un tueur de dieu. Tu ne souhaites pas la guerre. Non. Mais je ferai ce qu'il faut pour te protéger. C'est une âme en fleur. Oh, God!
c'est ouvert. Si on utilisait les seaux pour changer le rouage là-haut. Se fier aux oracles. Pourquoi leur prêtes-tu attention? Quand ta vie est en jeu, je ne peux prendre aucun risque. Là. Rasvelger. Six brèches à refermer et, de ne pas attendre, merci. Ces brèches n'auraient jamais dû être ouvertes. Elle n'a pas tort. Je m'en charge. Qu'y a-t-il ? Sans toi, j'ai fait preuve d'imprudence. J'ai été arrogant et j'ai commis des erreurs. J'ignore pourquoi j'ai cru que je pouvais y arriver seul. Tu avais raison. Non. Au cours de notre voyage, tu es devenu un guerrier, digne du nom que tu portes. Sache que c'est moi qui n'étais pas prêt. T'es pas obligé de redevenir l'ancien toi parce que je suis plus là. Faisons-nous une promesse. J'écouterai ta voix dans ma tête, en ton absence. Elle me guidera.
et tu en feras de même. Tu es d'accord ? J'ai besoin d'être sûr que tu iras bien sans moi. Ne sois pas désolé, père. Sois meilleur. Rentrons à la maison. Pas laisser les prophéties dicter nos choix. Alors nous façonnerons notre propre destin. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant qu'on retourne chez Sindri ? Non. D'abord, nous allons chercher Mimir. Tu nous diras ce que tu as appris à Asgard. Ensuite, nous verrons. Tu le vois vraiment comme un frère. Et Freya ? On dirait qu'elle s'est installée en mon absence. Sa haine redirigée contre Dain, elle a fini par comprendre que nous avions des intérêts communs. Oh. J'avais essayé de l'en convaincre, mais... Quand était-ce ? Oh, avant que je commence à te dire où j'allais la nuit. Je vois. Hé, elle ne m'a pas tué. Je n'ai rien dit. Vous revoilà. Tout s'est bien passé ? La bête ne devrait plus nous déranger. Oh, c'est un sacré soulagement. Et cette vieille carne de garme est finalement refroidie ? Oui, en quelque sorte. Atreus, que tu sois allé à Asgard après tout ce qu'il nous a fait subir, jamais je ne pourrai le comprendre. Mais j'ose espérer que tu nous rapportes quelque chose d'utile. J'espère aussi. Approchez, que je vous montre ce que prépare Odin. Ce qui l'intéresse plus que toute autre chose, et plus encore que le Ragnarok, c'est ce masque. Quelqu'un le reconnaît ? Cette chose ? C'est une impasse. Il perdait déjà son temps avec ça bien avant que je le connaisse. À dire vrai, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'une mauvaise blague des géants. Bon, d'accord. Non. Tu te trompes, Mimir. Ce masque est réel. Les géants ne l'ont pas conçu, et ils ne sont qu'une poignée à l'avoir aperçu dans leur vision. On ignore son origine, mais certains pensaient qu'il permettait de contempler les secrets de la création elle-même. Est-ce un oracle ? Bien plus que cela. Imaginez que vous puissiez fusionner avec la source d'un savoir infini. C'est pour ça qu'Odin m'a torturé. Alors qu'en penses-tu ? Tu le connais ? Non. C'est une obsession dont il n'a jamais daigné me faire part. Mais sachez une chose. Même lorsqu'Odin énonce une vérité, il dupe celui qui l'écoute. Quoi qu'il en soit, nous aurions tort de nous laisser distraire. Heimdall n'est-il pas notre seul objectif ? Nous réécrirons notre destin autrement. Alors je retourne à Vanheim.
Si nous n'allons pas affronter Odin, j'aiderai au moins mon frère à se dresser contre lui. Nous la rejoindrons le moment venu. Mère, je vais étudier mes notes sur le masque et réfléchir à un plan. Mais si tu veux aller quelque part, je t'accompagne. Écoutez, je voudrais vous dire, je suis vraiment désolé d'être parti comme ça. Vous savez que je ne vous ferai jamais de mal intentionnellement. Eh bien, quand on se change en ours par accident, j'imagine que ce genre de choses peut arriver. Alors, est-ce que vous me pardonnez ? Bien sûr, Atreus. Tu ne pensais pas à mal, petit. Sindri ? Je finirai bien par le faire. Un jour. D'accord. Je m'en contenterai. Tant que nous y sommes, j'espère que vous me pardonnerez d'être resté en retrait pendant l'assaut des Éléens. Quelles que soient mes réserves quant à la violence, elles ne devraient pas entrer en compte lorsque votre foyer est attaqué, surtout par de telles abominations. Pourtant, je me suis saisi d'un bouclier et non d'une épée. Tu as eu raison de me le reprocher, mon vieil ami. La prochaine fois que vous aurez besoin de moi, je serai prêt. Bien dit, Tyr. Je sais que tu le seras. Laisse-moi améliorer ta hache, me dis. Je supporte pas de la voir dans cet état. Malgré les années, elle reste splendide. Mon frère, avant d'aller voir Freya, y a-t-il dans d'autres royaumes des choses en suspens dont tu aimerais t'occuper ? Le petit serait sûrement ravi de t'aider. Tu sais ce que tu veux ? Il était temps que je m'occupe. On va voir ce qu'on peut faire. Hé, hey, attends! On va te suivre. Génial! On va rejoindre Freya? Oui. Content d'en être cette fois. Que s'est-il passé à Vanaheim? J'ignore toujours comment tu as convaincu Freya de t'épargner. Nous sommes allés à son village briser le sortilège d'Odin. Une fois libre, elle a compris que je n'étais pas son ennemi.
Et je crois que tu aurais aimé voir Brock cul par-dessus tête au beau milieu du camp de Frayeur. Vous avez rencontré Frayeur ? Comment est-il ? Différent de sa sœur. Il manque de conviction. Exact. Mais il est plus prompt à pardonner. C'est un dirigeant incompétent. Mais il est plein de bonnes intentions. Il te plaira, petit. Waouh ! C'est magnifique. Et, mouillé. Et surtout dangereux. Plus dangereux que elle ? Qu'est-ce que c'est ? Une sorte d'hôtel ? Je ne sais pas. Le camp de Frayeur est sur la droite. Doucement ! Ce n'est pas tous les jours que le petit découvre un nouveau royaume. Au camp de Frayeur, alors. Allons voir ce qu'ont accompli les Vannes en notre absence. J'espère que Freya va bien. Elle n'a besoin de personne. Mais on va quand même la voir. Son frère n'a pas assez d'hommes. Et j'ai une dette envers elle. Cela me rappelle un vieux chant de Vanheim. De notre graine de Muspelheim. Amenons-la à un accès mystique. Elle nous mènera peut-être aux épreuves de combat de Surt. Ces déserts, où sont-ils tous passés ? Sois sur tes gardes. Je n'aime pas ça, mon frère. Atreus ? En voilà des retrouvailles bienvenues. Certes inattendues, mais bienvenues. Tu nous connais ? Impossible ! Est-ce bien qui je crois ? Oh, espèce de vieux pourceau ! C'est presque bon de te revoir. Et pour une fois sous une forme humaine. Enfin, presque. C'est donc ainsi qu'on t'a sorti la tête du fondement. Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur borgne lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton œuvre ? Ils disent Vini ! Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya ? Après que j'ai... Oh ! Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé. Et son ami. Conseiller des Vannes. En effet, lors de mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche, ma responsabilité. C'est oublié.
Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite de pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Nous avons oublié quelque chose. Nous reviendrons. Promis. Où est Freya? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria ont capturé Freyr et Bigvir. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur leur fresque. Leur fresque. C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche ? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skoll et Ati, c'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Je vois qu'ils t'aident. Vous trouverez leur tanière dans cette direction. Bonne chance. Ne tirez pas sur les sangliers ! Je crois qu'il m'a vraiment pardonné de l'avoir blessé. Crois-moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous ? Comme toujours, malentendus, conflits de loyauté, promesses brisées, rien qui vaille la peine de t'en inquiéter. Je suis pas inquiet, seulement curieux. On peut être proche sans tout se dire. Pas vrai ? D'accord, d'accord. Tu marques un point. Attention! Où a-t-il? Le feu follet, c'est du flic!
Manaheim semble si différent des autres royaumes. Il y fait chaud, comme à Svartalfheim. Mais on dirait que l'air y est lourd. Ygros. Pardon ? Ygros. Humide, en grec. Ygros. Ça me plaît bien. Ugh.